Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 254 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Tape. The Tape. Alors, il me semble que c'est un jeu, voilà. Exactement. Est-ce que vous en dites? Alors, attendez. Soit je laisse en Eevee, c'est-à-dire en truc de ouf, soit je mets en low. Et je crois que je vais mettre en low le graphisme. Alors, The Tape, c'est censé être un jeu qui fait peur, je crois. Allez, écoutez le son. Trop bien. Donc je vais lancer un nouveau jeu. Donc j'y ai pas joué. Je sais qu'il y a une petite cinématique au début. On va voir. Loading. Et c'est en anglais. Ça joue souris clavier. Enfin, en tout cas, au moins un clavier. Et souris peut-être. Donc on va atterrir dans le jeu. Il me semble que c'est un jeu qui fait un petit peu peur. It's quiet, a young woman missing. Alors, qui est en train de parler? Ok, donc la police est en train de la chercher, elle a disparu, blabla. Au revoir. Ok. Ok. Est-ce que ça se contrôle au clavier? What the fuck, c'est les fucking mouvements. Est-ce que je peux jouer avec la manette, s'il vous plaît, est-ce que je peux jouer avec la manette? Oh, je peux pas jouer avec la manette. Ça m'emmerde, des jeux comme ça. Je sais pas si j'avais les choix input dedans. Musique, son, caméra, non, ouais, non, ouais. Bon, et ben on va jouer avec... Il faut vraiment que je passe mon clavier en QWERTY la prochaine fois, que je fasse attention. On se croirait dans un Slender, là. Tout de suite, là. La voiture abandonnée au bord de la route. On avance. Ouais. On est à fond. En fait, j'aime et j'aime pas ce genre de jeu. C'est un peu comme tout le monde. J'adore ça, et en même temps, ça fait super peur. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé. Mais alors, si je crie, vous inquiétez pas. Enfin, si je crie. Ça m'étonnerait que je crie au sens crier. Mais en tout cas, je vais sursauter. Je sens que ça pue le screamer dès le début. Je sais pas pourquoi. Ah, allez, pourri. Entendez-moi ces sons. Petit bug graphique, là. Regardez au niveau de la fenêtre. Regardez, hop, si je bouge la caméra, il y a des petits bugs. Ah, c'est pas bien, ça. C'est pas bien les bugs graphiques. Voilà. Imagine que j'ai rien à craindre dès le début du jeu. Ok, les portes sont toutes seules. Ok. Ok, la pendule, elle a pas d'aiguille. Ok. Alors. C'est une très très belle maison, je sais pas trop si je l'achèterai, ne serait-ce pour faire un petit peu la fête. Un placard, des cintres, est-ce qu'on peut les pousser un peu là? Non, non. Et interaction. Il se passe rien au niveau des clics, hein. On peut juste se balader. J'entends des bruits, ça fait super peur. Ils font chier avec les bruits. Oh là là là. C'est en noir et blanc en plus, c'est un truc pour bien te faire flipper. Hein. À quand. Ce genre de jeu. Alors, on a un bel étage avec plusieurs chambres. On a des photos. Ouh, dis donc. On n'est pas. C'est pas les années 2000, ça, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, je vais rentrer là-dedans.
Ouh, belle photo de mariage. C'est des vraies personnes, ça, ou c'est... Est-ce que c'est des gens? Je me suis toujours posé la question. C'est des gens, voilà, ils ont dit, ok, vous pouvez mettre notre photo de mariage dans votre jeu. Voilà. Ou est-ce que c'est des trucs qui ont été faits exprès pour... Non, maintenant le développeur, il a pas que ça à foutre. Soit ça doit être des images libres de droit, des trucs comme ça, ou des... Demande des autorisations. Chercher dans des bases d'images. Oh putain, oh putain, oh putain. Ça s'ouvre tout seul, alors attention. Hein? Ouh, la musique. Ouh, la chaise en plein milieu. Oh putain, je... Ouh, ça pue, ouh, ça pue. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, j'ai trouvé une clé. Génial. Ça sent le screamer, ça sent le screamer. J'ai trouvé une clé, mais c'est pas bien. J'aurais pas dû trouver une clé, j'aurais pas dû trouver une fucking clé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette clé? C'est bizarre, c'est un jeu d'horreur, j'ai pas encore eu peur. C'est pas, j'ai pas encore eu peur, j'ai pas encore eu peur, j'ai pas encore eu peur. Ta mère. Donc j'ai rien trouvé qui était fermé avec clé jusqu'à maintenant. Je ne crois pas. Donc on va redescendre, il doit y avoir un truc caché. J'espère que la luminosité ce sera bonne sur la vidéo. Ok. J'ai peur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? Où il y a une porte là? Où il y a une porte? Ok. Ok, le bug graphique, ta mère. Oh putain, une cave. J'ai pas envie de descendre à la cave. Y aurait-il pas autre chose à faire, hein? Quelle idée aussi, tu vois, tu trouves une maison dans la bois. Tu dis tiens, je vais descendre à la cave. C'est super glauque en plus au passage. Ok. Oh putain, la trappe se referme. Ok, en plus ça s'en fonce. Loading. Ok. Ok. Je fais que te dire ok parce que c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je sais pas si on verra bien à l'écran. Enfin à la cam plutôt. Je suis en train de regarder, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis là, mais je suis pas mort. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre ça? Ok, elle est morte. Ça, tranquille. Récupère du sang. Hein. Ça éclabousse pas trop quand même. On est à l'aise. Donc est-ce qu'il s'est passé quoi? On a eu une vision? Ça donne pas trop envie d'y aller quand même. Ok, oh putain. Ok, allez, 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 on y va. Il y a pas grand chose. Ah, ça crie, j'ai l'impression. Parce que du coup j'ai le son beaucoup moins fort que ce que vous aurez au niveau du montage. J'ai le son beaucoup moins fort dans mes oreilles, c'est voulu, hein. Sinon je n'arriverai pas à parler. Ok,
un choix important s'offre à moi. Un choix important. On va aller là. Oh. Ok, c'est ici qu'elle est morte. Elle est plus là. Donc je peux pas cliquer nulle part, donc de toute façon tout ça ne sert à rien. J'aimerais bien avoir une petite peur là, ça serait bien. Enfin, je suis con. Hein. Je demande à avoir peur. Si je reviens ici, il se passe quoi? Ok, on va aller là-bas. Alors, attendez, je me gratte un peu. Hein. Ce jeu, pour l'instant, est calme. Calme. Oh. En fait, le problème, c'est que si je rencontre un bonhomme, je sais pas trop comment je vais le tuer ou le maîtriser, j'en sais rien. Ouh, une belle pièce. Quelle belle bibliothèque. Avec quel bouquin. Aucune action. Bon bah on continue s'enfoncer, c'est parti hein. Pour l'instant j'ai du mal à voir où veut en venir ce jeu. Allez, on y va, on est parti. Oh putain, il y a des mecs là-bas. Ils marchent vachement de manière normale. Comme s'ils étaient en mode ralenti, les mecs. Alors là, ok, je peux pas me suicider. Voilà, je peux pas. Donc je suis obligé de mourir dans d'atroces souffrances. Parce que je sens que c'est ce qui va se passer. Hein. Je sens que, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais bientôt mourir dans des souffrances. N'empêche qu'il y a un sacré bordel sous cette maison. Les mecs, ils ont plus de caves que de maisons, bordel de merde. Il est où ton pote? Je vois pas ce qui va se passer si jamais je... Allez, on va le suivre. Oh le fils, il y en a d'autres qui arrivent là-bas en face. Est-ce que je me fais repérer, est-ce que je meurs? Ok, le mec il est allé là-dedans, il n'y a plus personne. On va reculer au fond. Est-ce que je vais mourir ou pas? Ouais, con. Oh putain. Ok, donc les mecs ils s'en battent les couilles de moi. Je me balade, ils s'en battent les couilles. Oh putain, il y a lui. Il y en a de partout. Je sais pas en fait ce que j'essaye de... Où c'est que j'essaye d'aller? Quel est le but? Pour l'instant, il n'y a plus de garde. Oh putain. Il y en a un. Il y en a pas là. Ok, ça pue dans cette salle. Ok, ta mère.
Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais mourir? Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça pue le satanisme. Pour l'instant, j'ai pas super peur. Je pensais que ça allait être plus violent que ça. C'est un peu plus glauque que prévu. Oula. Eh bien, dis donc, t'as un beau masque. Donc en gros, je pense qu'ils sont en train d'invoquer un diable, hein, ou un truc comme ça dans son corps. Ah, je veux pas m'avancer, mais... Ou est-ce que c'est moi, ça? C'est peut-être moi. C'est peut-être moi, le diable. Zigzag. Parlez pas trop, on sait jamais, hein. Loading. Donc je rappelle que le jeu s'appelle The Tape. L'enregistrement, je crois, non? C'est... The Tape, c'est un... une cassette. Ah, quand où c'est que je suis? Je suis dans une pièce qui n'a qu'une seule porte. Qui construit ça? Est-ce que c'est possible que des gens construisent un truc comme ça? Bon, on va essayer de continuer un peu 5 minutes. Et je pense qu'après la vidéo, bon, j'arrêterai la vidéo. Pour que vous puissiez eh bien, passer à autre chose. Et surtout derrière... Qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout derrière, bah, allez jouer à ce jeu vous-même. What the fuck? Ok. Ok. Allez, on est à fond. Il y a des esprits qui se baladent. Mais ça bat les couilles et je me suis fait bouffer. Bon, en tout cas, je sais pas si c'était moi. Parce que je ne sais pas à quoi je ressemble. C'est une maison sans miroir. Ah bah tiens. Non, sans déconner, c'est un miroir. C'est quoi ces petits carrés là qui sont apparus? Les petits carrés qui sont apparus, je sais pas ce que c'est. Je peux pas cliquer de toute façon. Ah oui, je peux sauter, tiens, je savais pas ça. C'est quoi ces carrés? Ok, ça sert à rien. C'est les couloirs qui mènent à rien, c'est génial. Il y a des gens qui se sont dit tiens. Puis surtout que ceux qui ont tapissé le couloir, ils se sont dit tiens, on va faire des couloirs qui servent à rien. Est-ce que je peux aller là? Il y a des esprits partout. Je comprends pas trop le... Oh putain, il y a du sang partout qui coule. Partout où je vais. Oh putain que ça fait peur. J'ai pas dit trop, je crois que j'ai pas trop dit putain dans cette vidéo, je crois. Il me semble. Hein. Ah mon dieu, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe.
Ah tiens, je retombe dans la maison. Ok. Allez. Je fais... Ok, des gens qui rampent un peu partout. Et je sais pas si ça fait quelque chose si je les touche. Non, il se passe rien. Il y a des gens morts un peu partout. Des esprits, ça doit être des esprits, je pense. Ok, paye ton couloir qui sert à rien du tout. Ah, mon dieu, je déteste ça dans les jeux vidéo. Des trucs qui servent à rien. Encore un couloir qui sert à rien? Ah si, ça sert à quelque chose. Allez, on vérifie ce qu'il y a au bout, et puis on arrête là. Ok, je retombe sur la chambre. Génial. Trois portes sont ouvertes. Il me manque la quatrième porte. Que je ne peux pas ouvrir. Et bien voilà, on en reste là sur cette vidéo. Je pense que je vais continuer parce que je suis curieux de voir... voilà, parce qu'en plus on peut jouer en Eevee quoi. Vous imaginez, vous jouez comme ça. Ça fait encore plus flipper quoi. C'est le mode flippage. Voilà. Et on se dit... je vous dis si vous avez aimé ce jeu. En tout cas si vous pensez que vous allez y jouer. Parce que c'est un jeu qui fait peur. Donc ça, il y a des gens qui aiment pas. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, et ben aimez-la. Voilà. Abonnez-vous, faites partager cette chaîne et ces différents contenus. J'avais pas trop fait de jeux d'horreur jusqu'à maintenant et je pense que j'en referai un peu. Parce que c'est intéressant. Même si bon celui-là fait pas super peur, c'est juste très très glauque. Voilà. Ça surprend un peu, mais voilà, c'est pas des screamers. C'est un jeu sympa. Bon, en tout cas, graphiquement, il est sympa. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis d'ici là, portez-vous bien. Salut !